Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va travailler aujourd'hui donc sur un iPhone X. Il s'agit d'un iPhone X. Le client me dit je pense que mon écran est cassé, ça ne fait plus rien, etc. Donc bon, ce n'est pas un problème d'écran. Quand on le branche, on n'a pas de conso, vraiment un petit sursaut. Ça ressemble grandement à un court-circuit. Donc voilà, on n'a pas de charge, pas d'affichage, pas de démarrage, on n'a rien du tout. Donc, on va de suite sortir la carte mère. On va se retrouver sous le microscope sur la carte mère. Et puis, on va essayer de faire repartir cet iPhone X. Voilà, donc la carte mère est sortie du châssis. On va de suite voir, essayer de retrouver un petit peu où se trouve notre court-circuit. Alors, on va voir s'il se trouve donc sur le PPBAT ou le VDD Main. Déjà, première chose. Alors, on va vous mettre le microscope. Voilà. Hop là, voilà, parfait. Alors, on prend le multimètre. Ok, alors. Ok, donc là, on a bien le moins. Le PPBAT, il n'est pas en court-circuit. Et alors, normalement, le VDD Main, si je dis pas de bêtises, il est là. Ok. Donc on est bien en court-circuit sur le VDD Main, il n'y a pas grand-chose de ce côté-là, il y en a un petit peu ici sous le bouclier d'ici, mais je ne pense pas trop, je vais de suite séparer les deux cartes mères pour essayer de retrouver donc le court-circuit, s'il est sur la partie d'en haut ou sur la partie du bas. Donc on va se mettre sur le préchauffeur, on va séparer les deux cartes mères et puis on va chercher ce court-circuit. Donc là, normalement, on est à bonne température. On va se retirer la partie du haut. Voilà, la partie du haut est retirée. Hop, on va éteindre le préchauffeur. On va laisser refroidir. Et puis, on va identifier donc où est notre court-circuit. Est-ce qu'il est sur la partie haute ou est-ce qu'il est sur la partie basse? Allez, on attend que ça refroidit et on revient tout de suite. Voilà, donc là, ça a bien refroidi. On va pouvoir travailler. Donc, déjà, première chose, petit aspect visuel. Est-ce que visuellement, on voit quelque chose? On va peut-être vous mettre sous la caméra, histoire d'y voir quelque chose. Voilà, alors. Ça a l'air d'aller. Alors rien qui nous saute aux yeux sur la partie basse et donc sur la partie haute. C'est bizarre là, il est soudain un petit peu tordu. Sinon, à part ce petit composant là qui m'a l'air un petit peu tordu, mais il a quand même l'air d'être bien soudé, à part celui-ci là, le reste, on a l'air pas trop mal. Alors, ce qu'on va faire, donc on va se mettre en mode continuité et puis on va regarder sur le chemin du haut et du bas,
Est-ce que notre court-circuit est sur la partie haute ou sur la partie basse? Alors, multimètre en continuité. Ok, alors on va regarder si il est sur la partie haute. Donc tout à l'heure on était en court-circuit ici. Ok, donc mon court-circuit n'a pas l'air sur la partie haute. On va la mettre de côté. Et donc notre VDD main sur la partie du bas. Alors si je dis pas de bêtises, le schéma, hop hop hop. Alors tout ce qui est ici, tout ce qui est ici, enfin, la plupart ici sont donc la ligne principale qui part d'en haut et qui va rentrer en bas pour alimenter la partie du bas par les pads ici du mid layer. Donc on était en court-circuit tout à l'heure, alors je vérifie, parfait, donc hop, ok, donc là on a bien un court-circuit sur la partie du bas, donc on va nettoyer un petit peu là, la pâte thermique, on va mettre de l'alcool, on va injecter du courant et on va voir ce qui réagit. Du coup, on va pouvoir donc mettre de l'alcool, injecter du courant et donc voir ce qui réagit et voir ce qui réagit. Alors, est-ce qu'il n'y a pas déjà un condo qui visuellement n'a pas l'air beau? On va enlever un petit peu la colle d'ici. On n'en voit pas un déjà qui fait une tête bizarre. Là, comme ça, il n'y a rien qui saute aux yeux. Donc, on va injecter du courant. Ok, l'alimentation est bien réglée. Paf, paf, paf. Alors, on va mettre de l'alcool. Et donc, on a dit ici, donc, on n'a pas peur d'être généreux. Alors, j'ai l'impression que ça réagit un petit peu par ici. Alors, on n'y voit pas très bien. Alors, du coup, on va céder de la caméra thermique. Vu la consommation, je pensais que le court-circuit était assez flagrant pour qu'on le voie facilement. Donc là, je le vois pas. Donc, on va se sortir la caméra thermique. Je vais vous changer de caméra pour vous pouvoir vous mettre la caméra thermique. Voilà. Donc, là, ça sera plus sympa. Donc, on va pouvoir injecter du courant et essayer de voir à la caméra thermique si on voit quelque chose qui réagit. Alors, hop, hop. Ouais, donc on voit bien que ça réagit par ici, là, hein. Ouais, on le voit bien ici, là, hein. Il s'allume ici, là, dès que je mets le courant. Hop là. Donc, on est bien ici. Je ne sais pas c'est lequel exactement. On va essayer de bien l'identifier, puisqu'il y en a deux, trois à côté. Voilà, hop. Ça, on pose. On va revenir sur notre caméra. Hop. Voilà, alors, on a bien vu que c'était d'ici.
Alors, c'est un des quatre, là, ici. 1, 2, 3, 4, là, je pense. Ou peut-être un petit d'ici. En tout cas, c'est voilà, c'est par ici. Ça, on en est sûr. Alors, on va regarder sur le schéma. Bas, ici. Ok. Ok. Alors, déjà, dans le VDD main, celui-ci n'y est pas. Celui-ci y est. Celui-ci y est. Donc, un des deux. Moi, je dirais celui-ci. Avec ce que j'ai pu voir sur la caméra, etc. On va se le refaire un peu à l'alcool. Est-ce que maintenant qu'on sait où chercher, on y voit mieux? Non, moi je vois le premier ici. Alors, je vois le premier. On va se le retirer. Allez, il n'est pas collé. C'est déjà pas mal. Non, mais je le vois là, il est fissuré, j'ai l'impression. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Je pense que la marque noire qu'on voit sur le côté là. Je pense qu'il a claqué en interne. Bon, on va le retirer. On va de suite voir si c'est lui. On va chauffer un petit peu pour l'aider. Il vient tout seul. Hop là. Donc là, il est retiré. Donc, si le jack est bon, on n'a plus de court-circuit. Alors, on va vérifier de suite. Je n'ai plus donc de court-circuit. Donc c'était bien lui notre fautif. Alors on va continuer de nettoyer bien comme il faut. J'ai dû couper la vidéo, j'ai dû répondre au téléphone, j'ai juste continué voilà, à nettoyer, à préparer pour venir reposer donc un condensateur pour continuer à bien stabiliser la ligne. Donc on va prendre un condensateur, on va le remplacer et puis on va continuer. Il est bien placé, il est bien accroché. On va vérifier, mais bon, normalement on vérifie pour rien. Allez, parfait. Alors, on va se remettre ça sur le préchauffeur. On va essayer la technique de feignant, voir si j'ai besoin de rebiller ou non. Donc, on va se mettre sous le préchauffeur et puis on va ressouder les cartes mères ensemble. Voilà, donc on se retrouve sur le préchauffeur. Et allez.
C'est parti, on fait chauffer, on fait monter ça en température et on va attendre un petit peu que ça se... que ça reprenne. Voilà, donc là je pense qu'on est bon en température. Alors, on va éteindre le préchauffeur. On va aider au refroidissement histoire de gagner un peu de temps. Laisser encore un tout petit peu refroidir et puis on va faire le premier essai. Voilà, donc là normalement ça a bien refroidi, alors ça a l'air pas trop mal, hein, mais bon, faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir fait pas de mal aux animaux. Alors hop, iPhone X, alors hop, déjà, j'ai plus de court-circuit. Ça me rassure, mais bon, je m'y attendais. Est-ce qu'on a un démarrage? Avec la bonne alim, ça marche mieux. Alors, on a l'air d'avoir un démarrage. Parfait. Donc, on a un démarrage. Ce que je vais faire, je vais le remettre dans le châssis. Être sûr que les deux layers sont bien ressoudés de partout. Être sûr qu'on a le Wi-Fi, le réseau, etc. Donc, on va remettre la carte mère dans le châssis. Et on va se retrouver tout de suite pour le test final. Alors. Hop, qu'est-ce que ça nous donne? Alors déjà, on a l'air d'avoir une charge. Ok, parfait, on a une pomme. J'ai pas rebranché le Face ID, mais bon. On va voir si ça démarre, s'il est chargé ou non. Voir si on a bien du tactile, du réseau, etc. Alors, est-ce que j'ai le code de ce téléphone? Ça, c'est une autre chose. Bon, donc là, on a une consommation de 1 ampère de charge. Donc, on va dire normal, cohérent. Voilà, ça a démarré. Alors, on n'a pas de Face ID, c'est normal, il n'est pas branché. J'ai bien mon tactile qui fonctionne. Voilà, hop, pas de souci. Alors, ben là, bien évidemment, je n'ai pas le code. Donc, je vais demander le code pour pouvoir finir mes tests. Mais bon, j'ai déjà un message comme quoi il n'y a pas de carte SIM installée. Donc, je sais que le réseau est bien, je sais que le tactile est bien. Voilà, ben écoutez, de toute façon. Je vais finir moi mes tests. Mais en tout cas, voilà, on a un téléphone qui démarre, qui charge parfaitement. On a du tactile. Tout va bien. Donc je vais finir de remonter ça, finir les derniers tests. Et puis, mais je pense que on a solutionné le problème. Le téléphone est fonctionnel et va pouvoir repartir chez le client. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.